Bonjour, mon nom est Renaud Gagnon, de Machinerie Gagnon, distributeur des tracteurs de sphères pour le Canada. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le nouveau tracteur de la série 6, 6140.4 ici en TTV. Le tracteur, c'est un nouveau tracteur avec un nouveau moteur, avec un nouveau look qui a été designé par un ingénieur italien. Ce tracteur-là, présentement, est avec beaucoup d'équipement. On va se déplacer vers l'intérieur pour vous montrer un peu les nouveautés à l'intérieur de la cabine. Le tracteur ici présent est équipé avec le système de GPS, avec le iMonitor, et avec le nouveau contrôle de joystick pour une meilleure maniabilité de fonction avec avance-recul sur le joystick, le relevage du 3 points et des contrôles de différentes gestions pour le tracteur, avec le joystick électro-hydraulique pour collecter soit un chargeur ou d'autres fonctions, plus les autres fonctions. Le tracteur, c'est ça, c'est avec trois modes de travail, soit le mode en fonction manuelle automatique ou mode PTO. Ce tracteur est équipé aussi avec la suspension avant qui roule à 50 km/h. Il est équipé avec les freins à disque aux quatre roues, qui est presque une exclusivité de Deutz. Et c'est un tracteur full quatre roues motrices avec un différentiel full lock aux quatre roues. C'est un tracteur qui est utilisé souvent pour le chargeur. Les déneigeurs apprécient un gabarit de tracteur comme celui-là, avec beaucoup de fonctions, avec une très belle visibilité aussi dans la cabine. Notre transmission de Vario, de TTV, qu'on appelle nous là, chez Deutz, c'est une transmission qui est très douce et très silencieuse, et on appelle le Power Zero. C'est qu'automatiquement, en relâchant la pédale de l'accélérateur, il compresse automatiquement pour braquer par lui-même. C'est un gros point positif. Ce tracteur est un tracteur de 136 chevaux au moteur. Il y a trois modèles dans cette gabarit. Il y a le 6120, 6130 et 6140. Donc, on part de 116 forces à aller à 136 forces de puissance. C'est le premier au Canada qui vient d'être introduit. On a déjà quelques tracteurs de vendus, mais qui sont en commande. Mais introduit, c'est le premier au Canada.